De retour sur Mass Effect, fait un petit bout de temps qu'on y a pas joué, et donc j'ai plus du tout souvenir de ce que je devais faire. Donc reprenons. Ok, donc on a 2-3 trucs à faire là-dessus. La carte, est-ce qu'on avait. Ok, on n'avait pas du tout exploré ici. Là, il y a un avant-poste. Une anomalie. On va faire d'abord les points d'interrogation là, puis après on ira voir ces méchants bonhommes. Je pense que c'est par là. Ça veut que je contourne cette montagne. C'est pas ça, bordel. Wow. Ok, là, ça va être par là. Faut quoi en faut? Non, raté. Ah non, raté. Je vois pas. Qu'est-ce que ça peut être? Non, raté. Ok, donc ça va être un peu au-dessus. Voilà. Oh là là, putain, c'est relou. Ah voilà. Ok. Examinons. Ah, faut qu'on récupère l'artefact. Non. Ok. Ok. Capitaine Tain. On ne sait pas comment elle est arrivée ici. Ok, retournons là-dedans. Changeons. On va aller là. Par contre, ça va être trop lourd la montagne. Non, ça va être super chiant. C'est trop fatigant quoi. Ok. Si je passe à côté, c'est pas grave. Ah, si, c'est par là. Non. Ok.
Où c'est? Ah si, c'est là, tiens. Donc, hop là. Ouais. Yes. Ok. Ok, et donc là, on va retourner par là. Non, pardon. Hop là, on va aller là. Ouais, je pense en fait que on va se faire un peu. What? Oh là là, putain, c'est relou. C'est pas fun ou quoi? C'est pas fun, c'est pas marrant. Putain, c'est pas très marrant quoi. Pourquoi à quel moment on s'amuse là? J'ai aperçu un petit bonhomme. Non, toi t'es mort. Aïe. Non, non, non. Ah. T'es caché? Non, 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 non. Il est où l'autre, le dernier? Oh non mais... Ok. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Bon, on va remonter là. Ok. S'en fout. On va sur la carte et là on va aller là-bas. Ouf. Ok. On va descendre par la plaine. Yeah. Point, point, point. Ah merde. Non. Oh non. Allez, bon bah on va remonter hein. Puis on va redescendre en fait. Mais c'est con. Ouais non mais on va retourner en fait. Parce qu'on s'est juste planté comme des connards. Ouais. Allez.
Alors, qui on envoie? Allez, on peut prendre Tali et puis Lyra. Allez, let's go. Ah, c'est du commando de ouf. Poink. Ok, let's go. On est dans la carte et puis on va dire on va aller là. Ouais, chef. Ouais, alors par contre, on passe par là parce que se taper la montagne c'est super chiant. On va peut-être récupérer un peu de trucs et de machin si on y arrive. Je sais pas où on va trouver un peu. Ah si, c'est là. C'est là. Hop. J'y vais. Ouais, super. Let's go. Allez, on y va. Ouais. Gisement d'or. Ouh. Il fait du pognon tout ça. Bon, puis là on va retourner avec là. On aurait pas tardé à y arriver. Ah ah! Ah, brouillage. Ça sent pas bon. On est dans la mer. Est-ce que je peux voir la carte, s'il vous plaît? Ouais, donc là, c'est quand même un peu sur la gauche, quand même. Poink. Historiquement. Un petit peu sur la gauche. Youhou! Ah ah! Oh putain. Ah j'en ai deux. J'ai réussi à en avoir un. Ouais, j'ai réussi à en avoir un autre. Tout le monde, viens toi là. Aïe. Ok, donc là j'ai réussi. Donc là j'ai réussi aussi. Aïe. Merde. Ah, je crois que j'ai réussi à avoir un mec là. Et voilà. Bon, ça a l'air d'être à peu près ça. Hein. Ah non, putain. Là, t'as pas fini, toi. Bon, voilà. Et a priori, j'en ai oublié là. Voilà. Fini. Ah non, mais j'en ai encore oublié un. Je sais pas où. Ah, mais dis donc. Oh, bétel. Thank you.
Boum. Ok. Oh mon dieu. Ok. Ok. Et d'où? D'accord, ok. Bon bah du coup super. Bon bah on va retourner en haut. Ok. Donc là on y est allé. Inividivici. Je suis sur Tong. Ok. Tong. Chmi. Tekosova. Ok. Gagarine, je sais plus si on est déjà allé ici. Je crois pas. On va voir. Ah, atterrir ici. Atterrir. Ah, là on peut analyser. Oh oh. Super. Ça, on s'en fout. On va l'analyser celle-là. Bon de cobalt, super. Ouais, deux ans. Pêcha. On va aller là. Atterrissons. Faites un moment de place, s'il vous plaît. Oh, fais chier. Bon, ok, carte. Ah, mais tout est là. Bon, bah, let's go. Hein. Parti pour l'ennui. Pas martien cette surface quand même. Voilà. Dans l'image, je peux nous en retourner Curiosity. Oula, il y a plus de caractère. Oh putain. Qu'est-ce que c'est merdique. Merde, quoi. Mec, à quel moment ils se sont dit c'est une bonne idée? Allez, alors on approche. Là, je crois que je vois.
Ok. Ils sont accidentés. Bah oui. Ah merde. Ah. Ah non, mais je vais retenter moi. Ah, y a du monde là. Ok, là après je vais pouvoir y aller. Oui. Ok, super. Allez, on change de d'endroit. On passe par là. On avant-poste envahi. Oh putain. Ok, bon ben bah, c'est reparti. Hein. En avant d'avant. On est à la montagne. Ah la montagne. Ah là-bas, sur la montagne. Ah. Un petit gisement. Sur la montagne, c'est le vrai bonheur. Super relou parce que si on se trompe, là faut tout grimper, ça fait chier. Ah c'est là. Ok, easy. Easy les gars. Easy, nous on analyse. Bien. Thorium. Super. Ok, bon bah on va toujours au même endroit du coup. Ah. Oh. Oh là. Bizarre. Ah ah, c'est là. On va buter les mecs là. Ah oh putain, bizarre. Après c'est toujours bizarre. Oh bah non, personne. Je sécurise la position. Ouais super, sécurise, sécurise. Ah ah, c'est là. Console d'entrée du bâtiment. Bah allons-y. Jamais trop prudent. Ah ah. Oh oh, décryptage simple. Donc ça, je sais le faire. Oui, easy. Ok. A priori, il y a des... Ah. L'armurerie. Oreille manuelle. Ouais, ça, on sait faire manuel. Tornado, putain. Ouais, attends, parce que là, il peut y avoir des choses. Hein. Wow, Firestorm. Edge, ok. 7, c'est pas mal en fusil de précision. Bon, là, j'ai un truc de ouf là. Alors, toi, qu'est-ce que tu as, toi? Toi, t'as aussi un super fusil de précision, là.
Et toi, Tali, tu as... Ah, 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 ah. Ah, la dissipation est moins bonne, mais précision et dégâts, ça envoie un peu du steak. Eh ben oui. C'est un Explore 4. Ça revient au même en fait. Alors attends, toi t'avais ça. Ouais. C'est toi là. Tac. Ouais, t'avais tout ça en fait. Ok, bon allez. Bah, tiens, je vais peut-être sauvegarder quand même avant. Tac. Allez, let's go, sauvegarde. Voilà, il y a l'air d'y avoir du monde. Hein. Ah non, ça va. T'as un faux sas. Ah, superbe. Bouclier désactivé. Je suis là. Ah putain. Ah merde. Merde, je crois que j'ai tué ma patte. Désolé les potes. Nous contrôlons le périmètre. Ah ok, super. Oui, vous faisiez la sieste. Des trucs bizarres là-dedans. On va fouiller, hein. Il y a peut-être des fois des petites surprises. Des bonnes surprises. Ok, les filles. On fouille, hein, c'est tout. On fouille, on fouille. Non, il n'y a pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce donc? Kit médical. Super, ça. Medigel. Bon, c'est pas très fort en bagarre, quand même. Hein. Ouais, peu importe, hein, de toute façon, l'un dans l'autre, il va falloir. Super. Ok, ça marche. Là, il y a encore du brouillage ici. Hein. Ok. Ah, il est encore méchant. Non mais là, on est arrivé au bout de course là. Ouais. Nous contrôlons le périmètre. Ouais, super. Ça veut dire que vous ayez été d'une grande aide. Ok. Bon, bah on peut se rentrer, hein. Si je te dise. Impossible. Ah ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un nouveau comité d'accueil du coup. Wow. Oh putain.
Ouais, ça va les filles. Ça devient intéressant. Aïe. Oh putain. Ouais, mec. T'es éteint. T'es éteint. Oh putain, il y en a un autre là. Boum. Il y en a un autre là. Je vais détruire ça. Voilà. Ah mais putain, t'es là toi. Boum. Boum, t'es mort. Périmètre nettoyé. Ok, bon bah let's go alors. Ah attends, on a pris du niveau là. Formation de spectre, ouais, on peut faire ça. Aptitude physique, ah non, aptitude physique, c'est pas mal. Yes. Ah merde, oui. Alors toi, tiens, toi, déchirure, bim. Puis là... Ouais. Ah merde, quel con. Et toi, décryptage. Ouais, en même temps, c'est pas hyper, hyper dingo. Hein. Allez, zou. Bon, on va retourner au vaisseau. Let's go. Vous avez défoncé. Wouah. Wouah. Oh là là, je suis en train de m'en aller là. Non. Putain. Ok, pardon les gars, me revoilà. Voilà. Pardon. Voilà. Ah, il en reste un. Où le dernier? Ah, il est où le dernier? Ah, il est là. T'es mort. Ok, bon bah a priori j'ai gagné là. C'est défoncé, je leur ai défoncé la gueule. Puis on va aller là, une anomalie, paf. Encore en haut des montagnes, fiché. Ah super. Oh. Allez, let's go. Uhou. Ah, je vais râler sur tous ces chemins là. Ouais, ça me fait chier. Là, c'est pas drôle.
peu de... Attends, il y a un peu de minerai là. On va y aller, on va y aller, on va y aller. J'ai vu en plus. Allez, là. Hop, hop, hop. Hop. Allez, on va analyser ça, nous. Tac. Ah, merde, quel con. Visiblement de polonium, bah, très bien. Voilà, et le truc là, il est de près de loin. Celui qui est par là. Ah. Attends. Ah, on va être en contrebas. Ah, je crois que c'est passé. Bon, pire, tant pis, je regrimperai. Ah, je crois que j'y ai vu. Putain. C'est le truc là qui est un peu dégueu. T'arrêtes pas dessus. Voyons. Ok, on récupère l'artefact. Oh. Pas de traces de son propriétaire. Eh ben c'est pas grave. Ok, on se casse. Alright, hop là, on retourne là, super, ça on a déjà fait, hop là, on retourne plus haut, voilà, terrestre, voilà, on va voir ce qu'il y a là. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a comme planète dans le coin, commencer par celle-là, il n'y a rien. Celle-ci, alors on peut l'analyser. Un petit gisement dessus. Celle-là, dégueuse. On peut l'analyser, ça. Et du mercure. Très bien. Allez, ici. Il n'y a rien dessus. Ceci, je sais plus si on l'a faite. On l'a faite. Et celle-là. Ah, on peut atterrir sur celle-là. Très bien. On va reprendre la même équipe, elle est pourrie, mais c'est pas grave. C'est une image ? Oh. Bon, je joue. Ok, ah c'est peut-être un peu plus plat, ça va peut-être être un peu plus agréable. Bon, on va commencer. Attends, ça là c'est une base gate encore là. Gate. Avant-poste. Ok, donc là on va aller pour rien. Nickel. Et nous on va commencer par là. Ah mais c'est cool quoi, c'est pas comme ça là. Ah mais faut essayer de prendre comme ça, sérieux. Même s'il y a des vers de merde là. Ah ah, mais... Okay. Ah, ça va bien qu'il y avait un petit verre de merde là. Merde. Oh, hop là. Oh putain. Oh, mais je me fais chier en fait. Hop là. Ok les gars. Ok. Super. Alors on va pas aller là-bas parce que c'est un peu dangereux. Et on s'en fout en fait. Là on va aller plutôt par là.
cette destination du débris. Et comme ça, on va bien éviter le citron là de merde. Oui. Ah tiens, on va tenter hein. Beaucoup de chance, il n'y aura pas de monstre là. Analyser. Ok, magnésium, super. Allez, on retourne. Oh, mais pas très loin. Contourner la montagne. Parce que c'est le meilleur passage là. Ah, tiens. Non. Putain. Ok. Super. Et là, mais là par contre c'est bizarre ça. Il va y avoir des vilains panneaux donc là. Est-ce qu'ils sont... Bien leur style. Ah ah. Oula. Pardon. Non. Putain. Oh là. Mais non. Super. Superbe. Voilà. Thank you.
Superbe. Oh, je t'avais pas vu. Ah, moi non plus je t'avais pas vu. Dans le secteur. Attendez. Ce récepteur capte une sorte de transmission. Vu la force du signal, on dirait qu'elle provient de ce secteur. Ce message doit être émis depuis la base principale des Gates. Nous allons pouvoir utiliser le signal pour déterminer sa position. Trop bien. Ok. Ok, super. Ah. Ok. Super, bon ben on avance un peu. Alors, attends, parce que là par contre. Ah, on est là. D'accord. Je qu'il est pas endommagé. Trop bizarre. Hop là. Ok. Mais. Ah merde. Ah mais je l'ai déjà. Je vais pas fouiller ça. Je sécurise la position. J'ai déjà pris ça. Ok. Ok, bon bah je l'ai déjà pris, alors attends, qu'est-ce que j'ai foutu moi?
Ok. J'avais pas pris ça encore. Ok, bah écoute, on a tout fait alors. On a tout fait. Parce que ça, c'était le truc bizarre là. Avant-poste. Ok. Bon bah. On se casse, hein. Bon, là où c'est... Ouais, bon, bref. Hop là! Terebuska, superbe. Long... Ah, celui-là, on l'avait fait ou pas, là? Grissom. Ah, ok. Vamchi. La Vamchi. Sur celle-là, Almos, c'est un peu rien faire. Celle-ci, on peut rien faire. On va la mettre qui traîne, non? Il y a que 3 planètes là? Ok, d'accord, on va aller ici là. Puis après, on ira à Grissom. On ira foutre le zbeul là. Ah mais on a déjà fait ça. Tout en fait. Futurienne, crâne étrange. Visement analysé. Poste Gates. Ok, on va aller à Grissom alors. On va pas se faire chier. Grissom. C'est-à-dire que... Mais si, mais celle-là on l'a fait, c'était cool, un truc comme ça. Allez, Grissom. On a un peu de trail sur ce truc. On analyse. Oh, très bien. C'est rigolo ça. Ok. Là, une grosse lune, c'est rigolo ça. Ah, on peut atterrir ici. Alors sur la première. Ah, ça fait, on peut l'analyser. Ok. Ah, slow. Allez sur Scrotum, c'est le chrome. Alors là par contre on va peut-être pas trop rigoler, on va peut-être prendre ça et ça. Donc, on va sauvegarder aussi, tiens. Ah j'ai pas... Ouais. Ah, attends, mettre un peu de level. Toi, t'as 2 points. Et par toi, on va te mettre à tes dimensions. Toi, t'as le droit à un fusil de précision et toi, t'as le droit à un fusil à pompe.
Ok. Ouais, toi. Donc toi, t'es au max. Toi, putain, toi, t'as une armure de dingue, toi. Donc, on va peut-être te mettre un petit truc. Et par contre, en fusil à pompe. Waouh. Tu vas prendre un tornado 6, mec. On va refaire une sauvegarde. Et on va mettre la carte pour fouiller tout ça. Alors, on va voir une anomalie ici. Oh non. Il a un peu. Ok. Hop là. Ça c'est cool. Maintenant on va aller ici voir les débris. Je ne les vois pas, il y avait juste de l'autre côté de la colline. Voilà. Ils sont ici. Oh! Dommage. Bon bah on rentre là. Ok, et puis bah on va aller là, hein, on va aller défoncer les Gates. Est-ce que j'aurai le temps? On va avoir mis de la montagne de partout alors que c'est insupportable.
Mais tu vois. Encore. Ah, t'as joué ça. Ah, mais ils sont là. Hop là, aïe. Yes, aïe. Hop là. Voilà, très bien ça. Voilà. Ok. Voilà. Aïe. Aïe, copain. Ok. Hop là. Occupez-vous-en. Oh putain. Yes, aïe. Oh là. Ah mais tiens, t'étais là. Ok. Bizarre. Les gars, tiens, Ok, aha. Ok. Ok. Ah ouais. Et lui là, il peut pas la mettre? Non, il peut pas la mettre. Moi jamais, hein. Vas-y, let's go.
Ah, j'aurais gagné un niveau encore. Ok, bah on va faire on va faire aptitude physique. Paf. On va faire formation spectre. Comme ça, après, bim. Ah merde, ouais. Toi, t'as deux points qu'on va mettre, je sais pas. Ouais, les secours, allez. Puis toi, on va mettre en barrière. Voilà. Ouais, voilà. Tac. Je vais juste voir s'il peut pas y avoir un truc là-bas. Des fois, il y a des petites surprises. Voilà. Et là, il n'y a pas de porte. Bon, c'est pété. Ok. Bon, ben, on va retourner sur le Normandie et puis on va parler à Tali. Yep là. Bien défoncé, hein. C'est possible que à l'extérieur il nous pète la gueule. Let's go. Dans le véhicule, hein, les gars. La Normandie, hop. Alors Tali. Ok, je sais plus où, on va tenter. C'est là. Toujours un doute. Non, ouais, je crois que c'est Tali, c'est le truc un peu bizarre là. Yara, ah ouais. Bon, allez, on peut draguiller un peu. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. J'aime parler avec vous, Liara, quel que soit le sujet. Vous avez été très compréhensif avec moi, Shepard. Très patient. Je vous en suis très reconnaissante. Je sais qu'il existe d'étranges idées reçues sur mon peuple, notamment celle de la promiscuité à Sari. Mais ces rumeurs ne sont pas fondées sur des bases solides. Lorsque l'une de mes congénères s'unit à une autre espèce, c'est dans un échange très spirituel et profond. Nous n'entamons pas une relation à la légère. À vous entendre, c'est quelque chose de mystique. Une véritable union dépasse de loin la fusion ordinaire. C'est une connexion qui transcende l'univers matériel. Les deux ne font plus qu'un. Les pensées et les sens fusionnent. Les identités s'inversent. Souvenirs et émotions s'entremêlent en un grand tout extatique. C'est une expérience unique. Dans certains cas, elle peut bouleverser une vie. Ça m'a l'air incroyable. Vous voulez dire que... Oh non, pardonnez-moi, Shepard, je me suis mal exprimée. J'essayais au contraire de vous expliquer mes réticences. L'union représente plus que l'acte sexuel, c'est l'essence vitale de mon peuple. C'est ainsi que les Asari évoluent en tant que société. C'est pour cela que je n'ai jamais... que nous choisissons nos partenaires avec le plus grand soin. Je veux que vous soyez absolument sûr de vous, Liara. Je n'ai que 106 ans. D'après les critères Asari, je suis à peine adulte. Et je passe la plupart de mon temps plongée dans mes recherches. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Pas avant de vous rencontrer, en tout cas. Je tiens à vous, Shepard. Mais après tout ce qui s'est passé, sa reine, les guettes, les moissonneurs, je ne sais pas si c'est le bon moment. L'heure est grave, Liara. Peut-être que lorsque tout ça sera terminé... Je suis contente que vous me compreniez, Shepard. Trop de choses sont en jeu. Nous devons mettre de côté nos sentiments personnels et nous concentrer sur Saren. J'aurais aimé qu'il n'en soit pas ainsi.
Mais nous devons tous consentir à des sacrifices. Et si nous parlions d'autre chose? Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Codex, j'ai de l'XP, j'ai de l'XP. Alright. Bon, en fait, elle est pas là. Donc, est-ce que c'est là? Ok. Peut-être par là. Tali, voilà, 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 voilà. Shepard, je dois vous parler. C'est important. Quelque chose ne va pas. Vous savez, ces données que vous avez récupérées dans les consoles Get et envoyées à l'Alliance, j'aimerais en avoir une copie. Vous voulez rapporter ces données à la flotte nomade? Ces données pourraient s'avérer vitales pour nous aider à comprendre les guettes. C'est peut-être la clé vers notre monde natal. Il vous faudra des années pour décrypter et analyser tout ça. Voire des décennies. Mais l'effort en vaut la peine. Nous pourrons ainsi évaluer l'évolution des guettes au fil des siècles. Allez-y, faites-en une copie. Mon peuple et moi avons une grande dette envers vous. Le genre de dette dont on peut difficilement s'acquitter. La seule chose que je puisse vous offrir en retour, vous la possédez déjà. Ma promesse solennelle de rester avec vous tant que Saren et ses légions ne seront pas détruits. Je n'en demandais pas plus. Merci, Shepard. Ok. Ok, bah c'est parti. On va sauvegarder. Journal. Ça, faudrait que je... Faudrait que j'aille... Enfin, peut-être que je retourne à la citadelle à un moment donné. Commandant. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Bien sûr. J'étais juste en train de consulter mon courrier. Ah oui, juste un truc. On a vu Kaidan dans un reportage sur le Normandie. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. C'est trop tard, Williams. Oh, je voudrais mourir. C'était une de mes sœurs. C'est Sarah, la petite dernière. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier, quand même. Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés, surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Vous avez élevé vos sœurs et elles vous parlent encore? Incroyable. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. On dirait que votre père n'était pas très présent. Votre famille n'habitait pas près de lui? C'était un amoureux de l'espace.
Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Je ne savais pas que vous aimiez la littérature classique. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant ? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années. Mais je suis sûre qu'il nous regarde. Vous voulez dire depuis l'au-delà ? Bien sûr, commandant. De là-haut, avec le Tout-Puissant. Ça vous pose problème que je croie en Dieu ? Votre religion ne regarde que vous. Je suis votre commandant, pas votre guide spirituel. Merci, commandant. Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Rompez, artilleur. Chef. Alright. Aha. Corps du codex. C'est pas ça que je veux. Ok. Bon, on va remonter là-haut et puis on va essayer de voir... les différents systèmes gérables pour le programme de la prochaine fois. On peut retourner à la citadelle, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. On enlèverait pas mal de micro-histoires. Un message de l'amiral Hackett, commandant. Oh, je vous le passe. Nous venons de recevoir votre rapport. Cette incursion Gett était bien plus dangereuse que nous le pensions. Il préparait certainement une offensive de grande envergure dans le système. Nous allons renforcer les patrouilles dans le secteur Armstrong pour éviter que ce genre d'intrusion se reproduise. Bon boulot, Shepard. De nombreuses vies humaines ont été sauvées grâce à cette mission. Hackett, terminé. Ok, cool. Bon, c'est que ça. Donc là, boum. Donc là, on a fait la nébuleuse d'Armstrong. On peut faire Virmir. On n'a pas fait encore. Bordure de Kepler. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait encore ici. On a fait tout ça là. Retourner à Citadelle. Hein. Peut-être retourner à la Citadelle, allez. On a pas mal de choses à faire, et comme ça. Après, on retournera à Virmir. Yes, voyager jusqu'à la Citadelle. Là. Allez. Ok, bon, on va s'arrêter là. Hop là, on sauvegarde. Et on se reprend la prochaine fois. A plus.